Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cléa, Miss Valenciennois 2023 et j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener avec moi dans une journée pour découvrir un petit peu les coulisses d'une élection dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc aujourd'hui c'est Miss Pével, c'est Emma qui rend son titre. On n'a pas beaucoup de route, il est 8h50, on doit y être pour 9h. Donc on va démarrer maintenant, c'est parti. J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que la GoPro a du mal un petit peu à capter la lumière. Et donc dès qu'il fait sombre, les images sont pas belles. Et en l'occurrence aujourd'hui, il fait un temps radieux. Donc je croise les doigts pour que ça fonctionne, je croise les doigts pour que le micro fonctionne. Sinon ça va être rigolo au montage. Mais voilà, donc je vous emmène. La salle elle est juste devant moi, c'est parti. Super excitée, je suis on en est à l'heure. J'ai enchaîné deux soirées. Si vous pensez que mon énergie va durer descendre, jamais, 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 jamais. Bon, on fait quoi aujourd'hui? Des répétitions. J'adore. Vous vous sentez comment les filles? Stressées? Ouais, stressées et j'ai hâte. Ouais, et ouais. Vous bon, là ça va, je et toi tu te sens comment? Quoi? Je suis super stressée, face élection de Pével. Ça, c'est mon influenceur préféré en ce moment. La chèche. Carlilou. Premier show. Comment se sent au premier show? Très stressée. Mais ça va. Bon, pendant qu'on fait les folles et qu'on regarde les candidates, ici ça charbonne. Et ici, ce sont nos petites loges. Mother and Mother. Hi. Voilà. À toi. Sponsor, c'était Masson Chaussure. Besson Chaussure. Voilà, petite. Voilà, l'enceinte Miss France. Ouais. Et je pense que c'est bon. Rendez-vous à 9h, il est 9h41. Donc là, on va commencer les répétitions entre nous parce qu'on n'a pas la scène, on l'aura cet après-midi, comme là, je suis à toutes les élections. Ça, faudra le mettre. Je vous présente la déléguée régionale qui fait genre de travailler sur son téléphone. Non, sur Instagram. Elle nous stalk sur Insta. Le jour d'élection, c'est vraiment confort. C'est chill. Ça tape sur le confort. C'est parti. Dance. It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, 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 fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is real, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger. Est-ce que t'as bien répété? Oui, c'était trop bien. J'ai kiffé, c'était incroyable. J'adore. D'aller manger, donc on rentre. Il est 15h, faut qu'on répète, on est en retard. Mais ça va le faire, t'inquiète.
Ludo prépare tous nos beaux costumes. On a fini les répétitions et on est en retard, mais ça va le faire. On a la moitié, j'ai fait les yeux, il reste le teint. Pour l'instant, je ressemble à rien, mais ça va venir. Ça va venir. Mais qu'est-ce que c'est fini? J'ai qu'à faire les sourcils, la bouche, la coiffure, il n'y a que les retouches à faire. On va essayer les costumes parce que c'est un nouveau show. Je sais pas du tout si ça va m'aller. On croise les doigts. Les costumes. Alors Agathe, on se sent comment avant de monter sur scène? Alors avant de monter sur scène, on se sent légèrement stressé, mais c'est du bon stress pour être au top sur la scène, donc ça va. Après bon, forcément t'as un peu de pression, mais bon,
c'est comme ça, hein. c'est pour être au taquet quoi. Est-ce qu'on choisit nos coiffures? Ça dépend, il y a certaines miss qui choisissent leur coiffure. Moi pour ma part je fais toujours confiance à mon coiffeur et je lui demande toujours de faire ce qu'il veut. Donc ça dépend, on fait ce qu'on veut, soit on choisit, soit on laisse libre cours à l'imagination des coiffeurs. Et on n'est jamais déçu. C'est quoi ton meilleur conseil pour décrocher la couronne? Rester soi-même, je pense. Et puis surtout, s'éclater sur scène, montrer aux autres qu'on aime ce qu'on fait et pourquoi on est là aussi. Et surtout, le principal, c'est de s'amuser et de sourire surtout. C'est le principal, le plus important. C'est quoi ton meilleur conseil pour décrocher la couronne? Alors pour moi, le meilleur conseil, c'est de persévérer et d'aller le plus loin possible dans tout ce qu'on fait et d'avoir confiance en soi. Évidemment, c'est toujours hyper stressant de devoir parler devant un public ou bien même de devoir se présenter tout simplement. Pour ma part, j'arrive à gérer ce stress, c'est même du plaisir. Je pense que ouais, je peux appeler ça du plaisir. Donc moi, j'ai pas personnellement pas peur. Après, à partir du moment où on a enseigné devant une classe de 4e, on peut tout faire, je crois, dans la vie. Mais non, c'est un exercice qui est très difficile. À Miss Nord-Pas-de-Calais, il y avait 5200 personnes. Mais c'est en ayant confiance en soi et surtout en ses capacités que ça peut que marcher. Pendant la prise de parole, vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous allez dire. Pas besoin de faire du chichi. Restez simple et naturel et c'est comme ça que ça va très bien se passer. Pour vous, c'est quoi la chose la plus stressante sur scène? Alors moi, personnellement, c'est le discours. Moi, je dirais le regard des gens. Le discours et surtout sourire en permanence. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir les lèvres qui tremblent. Le premier moment, le premier pas où on est sur scène, c'est le pire. Mais ça va, c'est du plaisir quand même. Oui, ah bah oui. La question, est-ce que je vais retenter les miss? C'est encore trop tôt pour le dire. Quand j'ai été élue Miss PBL, à la fin, quand j'ai rendu mon titre, c'était fini pour moi, c'était ma dernière scène. Au final, j'ai retenté, j'ai fait Miss Valence et moi j'ai gagné. Je peux pas dire que ce sera fini pour moi une fois que j'aurai rendu mon titre, j'en sais rien. On verra bien ce que l'avenir me réserve. Peut-être que je déciderai de recommencer, peut-être pas. Je me suis présentée deux fois, je pense que j'ai fait mon temps, on verra bien. D'ici là, j'aurais peut-être changé d'avis, pardon, mais on verra bien. C'est mon tigre. Bon, les filles, on est où là? On est au coin VIP. Pour boire des tico. Au cocktail. Vous avez passé une bonne élection? Ouais, voilà. Même si on s'est trompé dans la Corée, moi j'étais mort de rire. Et du coup, j'ai passé. Ouais, franchement, c'était bien. Ouais. C'était grave bien. Parce que là, on a bien profité. On a bien mangé. Couché. Nous allons dormir. Bonsoir. Nous allons vous coucher. Vous connaissez pas ça? Non. Au revoir. Au revoir. Bah oui, je vais faire un drame.